Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Majora's Mask. Aujourd'hui je vais vous présenter comment obtenir le masque de pierre, un masque qui sera utile, vous le verrez un petit peu plus tard dans le jeu. Donc tout d'abord il faut vous procurer une petite potion rouge, donc pour ça rien de tel qu'aller à Bourg-Clocher dans le petit magasin. Vous achetez une potion rouge pour 30 rubis, hein, c'est pas très très cher. Et donc du coup vous en voilà avec une ou alors deux, hein, si vous voulez en préserver par exemple une pour vous. Donc en tout cas il vous en faut une et ensuite on va se rendre tout de suite avec Epona dans la partie est des plaines de Termina, donc un endroit que vous allez voir assez spécial où vous pourrez trouver un soldat mal en point qu'il faudra soigner avec votre potion rouge. Donc vous allez voir que l'endroit est assez spécial et on y accédera beaucoup beaucoup plus tard je pense dans le jeu. Moi personnellement j'y ai jamais été lors de ma première partie pour l'instant, sachant que je n'ai jamais encore fini le jeu, donc du coup je le découvre un petit peu avec vous. Donc à partir d'ici on va se diriger directement vers l'est, vers cet endroit où vous voyez avec des grands piliers, et par ici vous aurez un chemin tout simplement qui sera accessible uniquement avec Epona, donc il faudra bien speeder hein, tout simplement pour pouvoir escalader le truc. Donc du coup hop, ici vous prenez Epona, donc je sors rapidement l'ocarina, hop. Et vous allez voir qu'on va enchaîner quelques barrières. Il faut trouver un tout petit cercle de pierre. Alors là dans la nuit c'est vrai que c'est un petit peu dur à voir je trouve. La visibilité est pas non plus excellente. Alors par contre je voudrais voir voilà, par où elle arrive, nickel. Donc du coup vous montez et c'est parti. C'est par là. Donc d'ailleurs vous allez voir que c'est assez pratique parce qu'en fonçant dans les ennemis vous pouvez les tuer. Alors faites attention tout de même parce que les ennemis de cette zone peuvent vous maudire. Donc sachant que si ça arrive vous ne pouvez plus utiliser votre épée, ce qui est assez chiant. Donc voilà, une fois deux barrières de passé, vous vous arrêtez juste ici, vous avez tout simplement un petit cercle de pierre. Ici, vous faites start, vous mettez votre monocle de vérité et votre potion rouge, vous activez le truc et vous parlez au soldat invisible. Donc, je suis surpris que tu es la première personne qui me parle. Donc, je suis ici depuis des années, je bouge mes bras dans tous les sens comme un dingue, mais tout le monde semble m'ignorer. Donc c'est parce que je suis aussi intéressant qu'une pierre, je suppose. Et du coup, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu me donner un truc pour qu'un gars aussi anodin que moi soit plein d'énergie? Donc là, du coup, vous sortez votre magnifique potion rouge. Donc là, il va être très très content. Et il va vous filer en échange le masque de pierre. Donc je me sens mieux. Donc en récompense vous obtenez le masque de pierre. Un masque assez spécial, hein, vous voyez que l'icône est un petit peu bizarre et la gueule du masque aussi. Équipez-le et devenez une pierre. Donc vous allez voir que ça va être beaucoup. Enfin ça va être très très utile. Donc d'ailleurs il s'appelle Shiro. Donc le soldat de pierre a été ajouté. Donc à mon avis, ça c'est pareil, ça s'ajoute au journal et vous allez obtenir une pastille cool. Je vais aller voir ça tout de suite. Hop. Donc vous voyez qu'on ajoute quand même pas mal de monde à notre. Bah, à notre journal des bombeurs, donc il est en avant-dernier, vous voyez, du coup on a obtenu une pastille cool. Donc ça c'est super, et du coup vous obtenez le masque de pierre. Donc là on commence à avoir un petit paquet de masques, je sais pas ce que ça va donner. Vous voyez que déjà Link a une sacrée tronche avec, et ça vous permettra de devenir invisible aux yeux de certains plus tard. J'en dis pas plus parce que sinon ce serait du spoil, mais voilà, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, moi j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Zelda Majora's Mask.